19h04 sur Algichien 3, c'est l'heure du journal présenté par Linda Hamed. Vous écoutez Algichien 3, le journal. Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Radouane Bendali, bonsoir à tous. L'Algérie rappelle son soutien à la Palestine ce soir. Le président de la République s'est exprimé devant le Haut Conseil de sécurité réuni. Les détails dans quelques instants. Les Palestiniens face à une tragédie sans précédent, ils en appellent au monde entier pour s'en sortir. Plus de 2830 morts en 10 jours et 12 000 blessés, dernier bilan. Nous écouterons ce soir des interventions depuis Gaza, depuis le Liban notamment, avec des messages du Croissant Rouge palestinien et le CICR. Action diplomatique, l'ONU convoque une réunion d'urgence ce soir et l'Égypte annonce la tenue d'un sommet régional ce samedi au Caire. La Colombie, qui somme ce soir l'ambassadeur d'Israël, a quitté Bogota. Et puis sport, football, vous l'avez suivi avec nous, c'est la fin du match amical Algérie-Égypte, le score 1 partout. Bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par la situation explosive qui prévaut en Palestine. L'Algérie réexprime ce soir son soutien et dénonce le génocide perpétré par l'occupant sioniste. Le président de la République l'a réitéré, Nesrine Dahmoud, ce soir en réunissant le Haut Conseil de sécurité. Absolument, Linda. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à la situation actuelle en Palestine occupée et au génocide fomenté par l'armée d'occupation israélienne sur les terres palestiniennes occupées. L'Algérie exprime son refus total de cette opération contre des civils et affirme son soutien également total au peuple palestinien frère. L'Algérie affirme que seule une solution efficace et réelle ne passe ni par la violence ni par le déplacement des populations. L'Algérie prône au contraire une solution qui passe par la mise en place d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale, selon les frontières de 1967, et appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité, notamment le Conseil de sécurité, pour protéger les civils palestiniens. On reste avec vous, Nesrine Dahmoud. Entre l'Algérie et la Palestine, on le sait tous, une page commune de l'histoire les lie. On le rappelle bien évidemment à la veille de la commémoration d'une triste date anniversaire, les massacres du 17 octobre 1961. C'était à Paris. Et Abdelmadjid Tebboune rend hommage ce soir au Shuhada al-Sayyid. Oui, à cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la nation pour rendre hommage aux victimes des massacres qui ont suivi ces manifestations pacifiques des Algériens et militants anticolonialistes à Paris. À cette occasion, le chef de l'État a tenu à rappeler que l'Algérie veillera toujours sur les ressortissants algériens partout dans le monde, notamment à travers les représentations diplomatiques qui sont chargées de répondre à tous les besoins de notre communauté à l'étranger. Le président de la République s'est adressé d'ailleurs à la diaspora algérienne en affirmant qu'il est heureux de voir le patriotisme dont font preuve les Algériens à l'étranger et le rattachement aux valeurs du 1er novembre. Des Algériens qui font front commun contre les campagnes mensongères contre l'Algérie, alors que notre pays est dans une lancée de développement économique qui vise à préserver la dignité du peuple algérien. En conclusion et dans ce message, le président de la République remercie les Algériens nobles et respectueux du message du 1er novembre qui contribue à faire de ce peuple un peuple glorieux. Et avec vous, Hajar Mesoudi, on va s'informer des derniers développements de la guerre en Palestine, des raids qui s'intensifient encore ce soir, un bilan qui s'alourdit et une population qui en appelle au monde entier pour la sauver. C'est la politique de la terre brûlée, Hajar. Au moment où le secteur du point de passage de Rafah est touché par de nouvelles frappes sionistes, l'Union européenne annonce lancer un pont aérien humanitaire vers l'Égypte afin d'approvisionner les organisations humanitaires à Gaza. Les deux premiers vols partiront dès cette semaine, transportant le nécessaire pour les civils palestiniens, en attendant bien entendu l'ouverture du passage de Rafah, toujours fermé. Une annonce faite alors que les réserves en eau, en nourriture, en carburant s'épuisent dans la bande de Gaza déplore plusieurs organisations humanitaires. Et face à ce terrible génocide, plusieurs pays sortent du silence. Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leiva, a exhorté l'ambassadeur israélien de quitter le pays suite à ses propos qualifiés d'inacceptables envers le peuple frère. Même réaction du chef du groupe parlementaire
parlementaire européen de soutien à la Palestine, ils parlent d'un génocide à Gaza. Les eurodéputés de leur côté de la gauche espagnole condamnent la tenue d'une minute de silence au Parlement européen pour les victimes israéliennes uniquement, en oubliant les victimes palestiniennes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé se rendre bientôt dans la région sans donner de date précise. Entre-temps, le chef de la diplomatie turque s'est entretenu avec le chef du Hamas. On en saura davantage. Voilà pour ce qui est des derniers développements de la situation en Palestine. On rappelle juste le bilan des victimes palestiniennes. On parle de 2837 morts, dont 64% des femmes et des enfants innocents, 12 000 blessés à l'heure où je vous parle, Linda. Vous le disiez, Hajar Messaoudi, un tiers de ce chiffre concerne les victimes très jeunes, des enfants en bas âge. Le dernier bilan fait état de plus de 730 enfants et s'est transmis par Ahmed Alami de l'Association des orphelins palestiniens. Plus de 730 enfants. Les enfants sont d'ailleurs une cible privilégiée pour déverser la haine sur eux. L'occupant est un vicieux ami qui a toujours travaillé de cette manière. Notre peuple, il subit donc ses vices. La situation humanitaire est chaotique, elle est gérée par les moyens du bord, très dérisoires par notamment le personnel du Croissant Rouge palestinien. Ils assument depuis 10 jours maintenant le service 24 heures sur 24. 4 d'entre eux sont tombés en martyr, selon Nibel Ferser, sa coordinatrice. Elle est contactée par Kalima Ben Nour. Cela fait 10 jours que les secouristes du Croissant Rouge palestinien travaillent sans relâche, mobilisés pour venir en aide aux blessés. La situation est extrêmement grave. Ils n'ont eu aucune nouvelle depuis le début de la guerre de leurs proches et familles. 4 d'entre eux sont tombés en martyr en accomplissant leur mission. L'entité sioniste qui va jusqu'à proférer des menaces et somme le Croissant Rouge de quitter les hôpitaux et abandonner les blessés. Nous recevons de sérieuses menaces de l'occupant sioniste. Nous sommes tenus de quitter les hôpitaux, celui d'Al-Quds et les autres à Gaza et dans le nord. L'occupant sioniste menace 1 100 000 Palestiniens de quitter la bande de Gaza. Cette décision est un crime de guerre, il faut le dire, qui pousse à l'exode des milliers de Palestiniens. Elle va à l'encontre du droit international. Certains ont pu quitter Gaza, d'autres n'ont pas pu. Même sur le chemin du départ vers le sud, leurs véhicules ont été ciblés par les bombardements. Des centaines de blessés, la plupart femmes et enfants. C'était Nibel Ferser, coordinatrice du Croissant Rouge palestinien, contactée par Karima Belnour. 8 médecins ont été tués lors de ces raids qui durent depuis 10 jours, eux aussi en accomplissant leur mission, mais pas question d'abandonner. On vous propose cet état des lieux dressé par Dr Mahmoud Mohamed, joint par téléphone par Karima Hasnaoui. En dépit de la gravité de la situation et l'intensification des bombardements, les médecins palestiniens résistent et poursuivent leur travail pour prendre en charge les blessés. Et en raison de ce blocus draconien imposé à Gaza, il y a un manque cruel de matériel et de médicaments. Il faut alors agir urgemment pour empêcher que les hôpitaux deviennent des mouroirs. Le CICR tire la sonnette d'alarme. Fatima Sator, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, contactée par Nesrine Dahmoun. Les hôpitaux sans électricité risquent clairement de se transformer en morgue. Par exemple, pour mettre des nouveau-nés sous incubateur ou des personnes âgées qui n'ont pas d'oxygène, des personnes qui ont des maladies chroniques, tout ça, c'est des personnes qui sont très à risque. Il n'y a pas d'eau potable. Actuellement, nous, on a de la chlorine, on aimerait pouvoir la distribuer, mais aussi des médicaments. On arrive à avoir des produits de base qu'on voudrait pouvoir distribuer à la population. Cependant, on n'a pas, il nous faut les conditions sécuritaires sur place pour pouvoir se déplacer. Au moment où je vous parle, on est prêt en Égypte, on est prêt en Jordanie pour pouvoir envoyer de l'aide et on demande à pouvoir le faire le plus vite possible pour venir en aide aux personnes qui souffrent actuellement. Aucune source d'énergie, en effet, toutes les structures vitales sont en panne, n'assurant aucun service selon Rafar Malham. Il est président de l'autorité palestinienne d'énergie, contacté par Karima Ben Nour.
Aucune source d'énergie n'est fonctionnelle à Gaza. Les stations et centrales électriques ont cessé toute activité. Pas de carburant, même pour les hôpitaux. On comptait sur l'énergie solaire, mais ça ne fonctionne pas, vu le temps qu'il fait, pluie et brouillard. Toutes les infrastructures en panne d'électricité, les hôpitaux, dont l'incapacité de prendre en charge des milliers de blessés actuellement. Et cette guerre doit absolument cesser par voie diplomatique, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU qui convoque pour ce soir une réunion d'urgence 22h GMT, soit 23h chez nous. Ça serait un échec, prédit Abil Saadallali, analyste en géopolitique région MENA, jointe depuis Beyrouth par Nesrine Dahmoun. Malheureusement, je pense que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le conflit actuel à Gaza entre les États-Unis et Israël et la déclaration de Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélienne, aux côtés d'Anthony Blinken, a déclaré vouloir gagner cette guerre contre le Hamas et on peut envisager une intervention au sol de Gaza. Malheureusement, je ne pense pas que cette réunion du Conseil de sécurité sera décisive sur n'importe quel point. Israël a été condamné à de nombreuses reprises par ce même Conseil de sécurité de l'ONU, mais le soutien d'effectifs des États-Unis envers Israël a bien montré que peu importe les décisions prises à l'ONU, sur le terrain, celles-ci ne sont absolument pas écoutées. En tout cas, nous n'attendons pas grand-chose actuellement de cette réunion d'urgence. Le président égyptien Abdel Fattah Sisi dans le pays doit accueillir samedi un sommet sur la question palestinienne, a affirmé que les habitants de Gaza devraient rester sur leurs terres. Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU, a annoncé quant à lui qu'il se rendrait demain au Proche-Orient pour aider aux négociations sur l'acheminement de l'aide à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères iranien a multiplié de son côté les rencontres avec ses homologues de la région pour trouver une solution politique aux attaques israéliennes contre la bande de Gaza. L'Iran, qui a tout de même prévenu contre toute attaque terrestre, fait partie des puissances craintes par l'occupation israélienne. Nous avons les explications de l'experte en géostratégie, Abir Aboussalah, contacté par Nesrine Dahmoun. Cette médiation vise à essayer de rassembler un maximum de pays, particulièrement dans la région, à la cause palestinienne et au soutien de l'Iran, dans le cas où la situation évidemment dégénérerait, ce qui est actuellement tout à fait envisageable. Mais elle essaie également, à travers son discours, de montrer sa puissance et son caractère intransigeant face à une intervention terrestre de l'armée israélienne sur le sol de Gaza. L'Iran essaye de montrer qu'elle est déterminée à intervenir dans ce conflit. La limite qui a été donnée, à savoir l'intervention au sol de l'armée israélienne, sonnerait l'alarme de la première intervention plus internationale, en tout cas régionale, dans ce conflit. Et la presse n'est pas épargnée par tous ces bombardements. En 10 jours, 11 journalistes ont été tués. Ils ont été visés sciemment par les soldats sionistes. Leur maison complètement détruite, rapporte le syndicat des journalistes palestiniens. De nombreuses équipes ont également été battues, arrêtées, détenues ou empêchées de couvrir les événements. La militante palestinienne des droits de l'homme, Maryam Abou Daka, vient d'être relâchée. Elle a été arrêtée par les autorités françaises sur instruction du ministre de l'Intérieur. Maryam Abdou a pu la joindre au téléphone tout à l'heure, c'était juste après sa libération. Le message de Maryam Abou Daka, qui est du FPLP, le Front Populaire pour la Libération de la Palestine, est clair. Transmettre le message des Palestiniens. 25 membres de sa famille sont morts à Gaza, assassinés, tués par les forces d'occupation israéliennes. Maryam Abou Daka est étonnée par les mesures extrêmes prises par les autorités françaises à son encontre. Elle s'en étonne. Ah.
Mariam Abou Dakra nous expliquait qu'aucune explication concrète n'a été amenée à son arrestation. Les forces de l'ordre qui sont venues pour l'arrêter indiquent que l'ordre est venu d'en haut, indiquant qu'il s'agissait du ministère, bien évidemment. Mariam Abou Dakra explique que sa lutte est une lutte pour la démocratie, pour la liberté. Mariam Abou Dakra était venue en France pour une série de conférences. Elle est maintenant assignée à résidence en attendant son expulsion. Le monde de la culture n'a pas manqué d'exprimer depuis le début sa profonde compassion envers les Palestiniens qui vivent cette nouvelle et énième tragédie. Nous avons ce soir le ressenti de Hassan Kechesh, il est comédien. Il était l'invité de Badia Haddad cet après-midi. On est en train de voir vraiment des atrocités, une agression sans limite, une agression sur 10. On tue des femmes, des enfants, on s'attaque à une population civile, on détruit l'infrastructure, des équipes médicales, des journalistes. Une population qui est déjà sous blocus depuis des années, elle est démunie. 80% vivent aux dépens des aides internationales. L'urgence, c'est arrêter cette agression. Tout va s'effondrer. Plus de 2 millions de personnes vivent sans eau, sans électricité, sans aide humanitaire. Voilà, et on rappelle le bilan avant de refermer cette page spéciale Palestine. On rappelle qu'il y a eu depuis 10 jours 2830 morts et plus de 12 000 blessés. 19h20 sur les ondes d'Algérien 3. Le forum du dialogue méditerranéen de haut niveau prévu à Rome a été finalement reporté. Le président italien Sergio Mattarella l'a signifié au président de la République Abdelmadjid Tebboune lors d'un entretien téléphonique cet après-midi. Demain prévu à Alger une réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a reçu ce soir certains de ses homologues conviés à cette rencontre, notamment le Togolais et Tchadien. Coopération algéro-libyenne en matière de lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine, elle a été au centre d'une rencontre qui a réuni ce matin les ministres de l'Intérieur algériens et libyens. Brahim Meled s'exprime sur l'ordre du jour de ces entretiens élargis par la suite aux délégations des deux pays en écoute. Notre rencontre concerne le renforcement des relations entre la Libye et l'Algérie, comme l'a déclaré le président de la République. Il est tout à fait naturel que nous nous rencontrions de temps à autre pour aborder des questions d'intérêt commun. Nous devons être pragmatiques et examiner les accords entre les deux pays pour les adapter en fonction de l'évolution de la situation ici et là-bas. Il est impératif de défendre nos deux pays. Nous avons abordé des problèmes auxquels nous sommes confrontés, tels que les stupéfiants et la drogue en général, afin de trouver des stratégies communes et établir une feuille de route pour éradiquer ces phénomènes. Le ministre libyen a lui exprimé entre autres sa reconnaissance à l'Algérie suite à son soutien lors des inondations qui ont ravagé il y a quelques semaines la ville de Darna. Imet à Belsi. Nous avons discuté de questions d'intérêt commun comme l'ouverture du passage frontalier de Debdab. La commission va tenir une réunion le 26 de ce mois. Il y a certaines conditions et restrictions auxquelles nous devons nous conformer pour faciliter les déplacements des citoyens algériens et libyens dans cette région. Nous saluons également nos frères algériens qui nous ont soutenus à Derna lors des récentes inondations. L'Algérie est un pays frère et voisin qui n'est jamais intervenu en Libye malgré la crise politique que nous avons traversée. Nous travaillons également pour lutter contre le phénomène de la drogue et l'immigration clandestine. C'était Ahmed Trabelsi, le ministre libyen qui est en visite de travail en Algérie. Après l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera demain devant le Sénat la déclaration de politique générale du gouvernement, une présentation qui sera suivie par un débat au Conseil de la Nation. La sécurité alimentaire et sanitaire, plusieurs mesures sont préconisées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour promouvoir une alimentation saine et prévenir aussi les maladies non transmissibles telles que l'obésité. Le président de cette agence, le professeur Kamel Sanhaji, évoque ces possibilités. L'agence est là pour un petit peu mettre de l'harmonie entre les données de tous ces secteurs, des données pertinentes qui nous permettent, avec nos modélisateurs, qui nous permettent de dégager, qui vont nous faire émerger des signaux qui étaient faibles, qu'on ne voyait pas, et pour lesquels on ne faisait que de la réaction. Avec tout ce système de travail en amont, cela permettra d'amplifier, de faire émerger des nouvelles informations, des nouveaux signaux, des nouvelles alertes, pour pouvoir générer un message d'abord pédagogique pour la population, parce que c'est ça qui est le plus important pour un bien-être de la santé,
et puis aussi dégager un message sous forme de rapport étayé par des données scientifiques qui vont servir à la décision politique pour gérer certains aspects qui nous impactent par rapport à notre santé. Des propos recueillis par Hassan Chemmej, c'était lors d'une journée scientifique sur le modèle d'alimentation saine, et a rajouté ce soir ce chiffre de l'ONU, 780 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, selon l'Organisation des Nations Unies, en cette journée mondiale de l'alimentation. Radouane Bendali, on revient sur le match qui s'est terminé il y a quelques minutes, le match amical Algérie-Égypte, score nul, un partout. Eh bien oui, le match entre l'Algérie et l'Égypte s'est terminé sur un score nul, d'un but partout, avec l'Égypte qui avait ouvert la marque à la 61e minute de jeu par Al-Fatri, et l'Algérie qui a égalisé par l'intermédiaire de Slimani dans le temps additionnel 90 minutes plus 3. Ce match qui s'est déroulé au stade Hazza Ben Zayed aux Émirats Arabes Unis, dans la ville d'El Ain, eh bien, a permis aux joueurs du sélectionneur national Jamel Belmadi de disputer donc leur deuxième match durant cette date FIFA, et pour préparer ainsi les prochaines échéances que sont la CAN 2023 qui se déroulera en 2024, et également les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Match somme toute satisfaisant pour les Verts. Et on va terminer également avec cette information, toujours en football, qui concerne le championnat de Ligue 2. Il y avait un match aujourd'hui pour clôturer la troisième journée, le dernier match de la troisième journée dans le groupe Centre-Est. Le MOC de Constantine a battu la AS Roubaix 2-1. Le MOC, après cette victoire, occupe la 8e place avec 4 points. La AS Roubaix est 11e avec 2 points. Merci Radouane Bendali. Et c'est la fin de cette édition qui se termine à 19h26 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, réalisée par Aïcha Hammer et Sida Ali Toubal. Un autre point de l'actualité à 20h, un flash avec Sofiane Savli. Bonne soirée à tous.